السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Dans son bureau, Dr Keïta Mokhtar reçoit un patient après la prière de Fajr. Sexagénaire, le pèlerin souffre d'une constipation liée à l'alimentation. Donc souvent devant ces cas de constipation, on préfère des patients, on préfère des pèlerins constipés que des pèlerins qui aient une diarrhée. Parce que cette constipation devait être liée à l'alimentation qu'il consomme. Ici, qui a beaucoup fait de riz. Donc, je pense que sa constipation est peut-être liée à cela. En plus des problèmes liés à l'alimentation, les médecins prennent en charge plusieurs autres cas de pathologie. On a beaucoup d'asthénie qui est liée à l'effort physique qui est fourni par les patients. Et ensuite, on a des lombosciatalgies, c'est-à-dire que des douleurs qui partent du dos et qui descendent au niveau des membres inférieurs, on parle de lombosciatalgie, qui est souvent liée à la marche. Ce sont des personnes qui étaient sédentaires au pays et brusquement sont soumises à beaucoup d'efforts physiques. Donc, qui est à cause de cette lombosciatalgie. À côté de cela, on peut citer les affections orales, c'est-à-dire les rhinites allergiques, à cause du climat ici et de l'effet de la poussière. Quelques instants plus tard, Dr Keïta Mokhtar s'occupe d'un autre patient présentant une plaie entre les orteils causée par la marche. 3 jours sont nécessaires pour recouvrer la guérison. À quelques jours du démarrage des rites du Hajj, la commission médicale sensibilise. Toute personne qui arrive à l'infirmerie, je demande au papa, aux mamans d'aller doucement. C'est vrai. Nous sommes à l'hôtel, tout cet espace-là est compris dans le haram. Donc c'est préférable de faire ses prières ici. Et calmement, le soir, à 18h, où il fait moins chaud, on va pour les 2 autres prières. J'ai conseillé de gagner, c'est mieux de gagner la prière du Fajr, la prière de Maghrib et Isha. Les 2 autres prières, nous avons des mosquées au sein de nos hôtels, nous pouvons prier. Voilà un climat qui contient beaucoup de poussière, un climat qui est chaud et sec à la fois. Et donc, aller prendre des aliments dehors, je crois qu'on s'expose à avoir beaucoup de germes dans ce que nous allons prendre dehors. Et c'est malheureusement ce qu'on constate. Hein, ces vendeuses-là sont au bord de nos hôtels et puis voilà, elles vendent leur nourriture. Voilà, moi je crois qu'en tant que pèlerin, il faut être quand même très regardant. J'allais dire, le médecin, comme les infirmières, était très gentil avec moi, qui est déjà un premier pas. Et on m'a prescrit les produits qu'il faut. On m'a donné les produits qu'il faut, pardon. Donc j'espère me porter mieux d'ici un mois. La commission médicale du Hajj compte plusieurs spécialités, parmi lesquelles des diabétologues, des cardiologues, des neurologues, des nutritionnistes.